En 1958, une équipe de passionnés d'informatique a développé un petit programme du nom de Tennis for Two, qui est alors devenu la première expérience vidéoludique de l'histoire. Près d'un demi-siècle plus tard, et à l'heure des superproductions et autres AAA, le jeu vidéo a indéniablement été hissé au rang de véritable art. Avec un marché représentant plus de 300 milliards de dollars en 2021, l'offre de jeux vidéo paraît d'ores et déjà presque infinie. À l'instar de la musique ou du cinéma, une vie entière ne suffirait pas pour jouer à tous les jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un étrange objet, sorti en 1996, quelque peu particulier, qui dénote complètement avec le reste des productions de cette industrie. J'ai nommé Harvester. Mais avant de vous présenter cette curiosité numérique, j'ai quelques petites choses à vous dire. Vous présenter ce jeu sur YouTube est un véritable défi, car Harvester aborde frontalement un très grand nombre de tabous. Enfin non, pardon. Harvester aborde littéralement tous les tabous de nos sociétés occidentales. Fermez les yeux, imaginez la pire chose que vous ayez vue dans un jeu vidéo ou même dans un film. C'est bon ? Eh bien, multipliez maintenant la bizarrerie de cette scène par 100 et vous aurez un vague aperçu de l'étrangeté du contenu d'Harvester. D'ailleurs, je vais devoir passer sous silence un bon nombre de scènes et éviter d'aborder certains thèmes qui feraient instantanément sauter cette vidéo. Je vous invite donc à vous abonner pour soutenir la chaîne, à liker cette vidéo ainsi qu'à partager cet épisode à vos amis, car il y a de très grandes chances pour que cette vidéo soit démonétisée. Mais je ne veux pas réduire ce jeu à une vague expérience gore et surréaliste, car aussi surprenant que ça puisse paraître, Harvester est un très bon jeu, dont la qualité du scénario a été unanimement saluée par la presse spécialisée. Là, normalement, je devrais avoir piqué votre curiosité, et si ce n'est pas encore le cas, eh bien dites-vous qu'un véritable culte est né en ligne vis-à-vis de ce jeu, que peu après sa sortie, le développeur principal a totalement disparu de la surface de cette planète, et que l'acteur qui interprétait le personnage principal a été recherché par le FBI. Allez, c'est parti. Sorti en 1996 et instantanément interdit en Allemagne, profondément censuré en Angleterre ainsi qu'en Australie, Harvester est un jeu de type point and click réalisé en full motion vidéo et développé par un certain Gilbert Austin. Cet étrange jeu vidéo propose d'incarner Steve, un adolescent qui se réveille amnésique dans sa maison située dans la ville d'Harvest en 1953. Et dès les premières secondes, l'ambiance est instantanément posée, notamment via les premiers dialogues où le jeu nous asperge, sans tarder, de toute sa bizarrerie. Tiens, bonjour. Tu veux des cookies ? Il y en a plein la poubelle. Qui êtes-vous ? En voilà des façons de parler à ta mère. Vous êtes ma mère ? Tout à fait. Même si parfois, j'ai plutôt l'impression d'être l'infirmière de garde. Je ne me souviens pas de vous ? Bien sûr que non. Jusqu'au moment où tu as besoin de chaussettes propres. Non, je veux dire, je ne me souviens pas vraiment de vous. En fait, je ne sais même pas où je suis, ni qui je suis. Pour l'amour de Dieu, Steve, arrête de faire le pitre. Tu sais, Steve, j'espérais vraiment que tu grandirais un peu une fois ton diplôme en poche. Maintenant, j'espère seulement que ton nouveau boulot te remettra les pieds sur terre. Alors c'est mon nom, Steve. Ton nom va être deux paires de claques, si tu n'arrêtes pas de faire l'idiot. Écoutez, je sais que ça paraît bizarre, mais j'ai perdu la mémoire, vous ne me croyez pas ? Tu as toujours été un farceur, Steve. Je ne plaisante pas. Mais oui, c'est ça. Tu vas aussi me dire que tu ne te souviens pas de Hank et de ta petite sœur. Une sœur ? Tais-toi donc, tu vas la réveiller. Montre-moi. Maudite soit cette femme guêpe. C'est un vrai monstre. Après de longues conversations avec les membres de sa famille, on apprend, entre autres, que ce brave Steve est supposé se marier avec une dénommée Stéphanie, dont il ne lui reste visiblement aucun souvenir.
En sortant de la maison, on se retrouve sur la carte de la ville, où de nombreuses zones sont à explorer. Allons d'abord à l'ordre. Seuls les initiés peuvent pénétrer dans l'antichambre de l'ordre de la lune d'Harvest. Vous avez dit quelque chose ? Je n'ai pas parlé, mais mon esprit a touché le tien. Par télépathie, mais comment ? Seuls ceux qui cherchent à s'élever méritent mon attention. As-tu soif de la vraie connaissance ? Des connaissances interdites, des plaisirs interdits, ou qui n'ont pas encore été découverts. Mais ils ne sont pas pour toi. Pas encore. Tu dois d'abord remplir un formulaire d'inscription pour pouvoir être introduit au rite des mystères. Les formulaires sont disponibles au bureau de poste. Le receveur Boyle en distribue aux non-initiés. Je ne m'abaisse pas à ça. Alors je le remplis et je vous le remets, c'est ça ? Un formulaire d'inscription ne s'obtient pas comme ça. Il faudra sûrement trouver un moyen de persuader le receveur Boyle de t'en remettre un en milieu de mois, en dépit des règles. Quand ce sera chose faite, reviens me voir. Et si tu es apte, tu devras passer un test. Ce premier personnage énigmatique rencontré en dehors de la maison de Steve annonce donc la quête principale du jeu, tout en donnant le ton d'Harvester, à savoir de l'étrange, de l'interdit et une dose d'humour absurde extrêmement bien dosée. Le jeu, que l'on peut classer dans la catégorie des point and click, consistera à naviguer de tableau en tableau, afin d'obtenir et de combiner des objets obtenus en rendant divers services, tous plus bizarres les uns que les autres aux habitants d'Harvest. Tout ça dans le but de découvrir les secrets de ce bien mystérieux ordre. Il est ensuite possible de se rendre chez les Potsdam, les parents de sa future femme, Stéphanie, pour une nouvelle fournée de dialogues improbables. C'est bien d'avoir de l'imagination en petite quantité. Un homme doit savoir rester réaliste, surtout lorsqu'il est sur le point de se marier. Dis-moi, est-ce que ton père se sent mieux ? Il va pouvoir retourner à l'abattoir d'ici peu. Je n'ai pas vu mon père, il est enfermé dans sa chambre. Je l'entends gémir, c'est tout. Il ne va pas mourir, au moins. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop. Cette femme, ma mère, elle est la seule à s'en occuper. Eh bien, la prochaine fois que tu le vois, n'oublie pas de le saluer pour moi. Et dis-lui que je prie pour qu'il guérisse vite. Et aussi, si tu pouvais lui parler de la viande. Oui, parle-lui surtout de la viande. Oui, d'accord. Si je le vois. Tu devrais te montrer un peu plus inquiet. S'il meurt, qui va diriger l'abattoir ? Qui va s'occuper de la viande ? Mais comme tu es son fils, tu prendras sa succession, n'est-ce pas ? La viande est à la base de toute société qui se respecte. Chacun a besoin d'au moins 3 plats de viande par jour. Celui qui me contredira ne peut être qu'un communiste. Et quand tu seras marié à Stéphanie, moi aussi, je ferai partie de la famille. Et ton père me donnera autant de viande que je veux. Ça compensera pour ne pas avoir été accepté par l'ordre. Après avoir appris que Steve était promis à un avenir radieux, à savoir reprendre l'abattoir dirigé par son père, il est grand temps d'aller parler à la future belle-mère, en espérant qu'elle soit un peu moins cinglée que le père. Bonjour Steve, as-tu pensé à utiliser le fil dentaire aujourd'hui ? Eh bien Stéphanie n'a pas la permission de sortir, Steve. Pourquoi ? Je n'en ai pas la moindre idée. Monsieur Potsdam lui a dit d'aller dans sa chambre et elle y restera jusqu'à ce que Monsieur Potsdam dise au contraire, probablement jusqu'au jour du mariage. Parlez-moi du mariage. Eh bien, il aura lieu dans 3 semaines, à Shady Oaks, dans l'établissement des pompes funèbres de Monsieur Monahan. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, je sais, on a vu plus romantique comme endroit pour se marier, mais il n'y a pas d'autre emplacement pour le faire, à cause de Monsieur Potsdam. Bon, tentons tout de même d'aller voir Stéphanie. À l'étage, il est possible d'aller dans la salle de bain. En observant le tableau présent à gauche, on a directement droit à une petite séquence qui nous montre à quel point ce jeu est malsain. Bon, on ne
va pas s'attarder sur l'existence d'un tel trou, fait pour observer secrètement l'unique adolescente de la maison, et allons dans la chambre de Stéphanie, qui nous fournira certainement de précieuses informations. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ? Tu n'es pas au courant ? Nous allons nous marier. Alors c'est toi, Steve, n'est-ce pas ? Tu veux dire que tu ne me connais pas ? Je veux dire que je connais personne. Je ne me rappelle de rien. Combien de fois vais-je devoir lui dire ? Une seule fois, Stéphanie, parce que je ne me souviens absolument de rien non plus. Vraiment ? Oh, Dieu soit loué, je croyais être la seule. Tu n'es pas seule. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici ? Ces gens en bas m'ont enfermée dans ma chambre. Ils m'ont dit que j'y resterais cloîtrée jusqu'à mon mariage. Ils affirment être mes parents. Je ne peux pas le nier parce que je ne me souviens de rien, mais ça me semble bizarre. Tu as une idée d'où tu viens ? Non, mais je suis presque certain que je ne suis pas d'Harvest. Pareil pour moi, je ne me rappelle de rien, mais je sens au fond de moi-même que la femme en bas n'est pas ma mère. Elle est comme une chose, un fantoche, une mauvaise blague dont la chute serait ta mère. Est-ce que ça a un sens ? Bon, on se rend rapidement compte que Stéphanie est dans la même situation que nous et qu'elle aussi a très envie de quitter la ville. Retour donc sur la carte où de nombreux personnages totalement cinglés vous renseignent un peu plus sur Harvest et sa population tout en distillant, ici et là, des réflexions étranges et improbables. Comme par exemple cette vieille dame qui se fait appeler la femme guêpe. J'ai rarement des visites. Je suis Tetsua Crumb. Ces ignorants d'Harvest m'appellent la femme guêpe. Une insulte certainement née de leur crainte et de leur pauvre petite imagination. Je ne comprends pas. Quand une abeille pique, elle perd une partie d'elle-même et meurt de son audace. C'est pourquoi elle provoque l'admiration de ceux qu'on élève dans l'adoration d'un dieu qui exige sacrifice et expiation. Mais les guêpes ont des mœurs légères. Elles ne plaisent pas autant au public parce qu'elles ne meurent pas quand elles piquent. Elles vivent pour piquer de nouveau et elles y prennent plaisir. Oui, beaucoup de plaisir. La guêpe est un être sensuel, pas laborieux, hédoniste et non industriel. Certains les croient promptes à la colère. En vérité, elles sont aisément attirées par l'extase. Elles pénètrent votre chair et les contractions musculaires de leur thorax quand elles pompent leur venin peuvent être apparentées aux contractions d'une éjaculation. Chaque blessure douloureuse, un acte d'amour. Il y a ensuite le policier Loomis qui semble vouloir participer au championnat du monde de dialogue creepy que l'on va devoir aider à assouvir un de ses besoins les plus primaires. Mince alors, elle est jolie. Un peu comme cette fille que j'avais vue sur une de ces cartes postales françaises qui faisait dans le temps. Avant, je ramenais ces trucs à la prison si personne n'était là. Je les tenais d'une seule main avec quelques serviettes à côté. C'était avant Madame Loomis. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que ce soit des cartes postales françaises. C'est juste comme ça qu'on les appelait avant. N'importe quel petit livre avec des filles dedans. Le genre que les hommes aiment bien, ce serait épatant. Je serais très reconnaissant, petit, si tu pouvais m'en ramener un. Bon Dieu! J'aimerais bien avoir quelques-unes de ces photos. Olé, olé. Mais Madame Loomis ne me laisse pas les garder à la maison. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reconnu cette voix, mais le doubleur français n'est autre que Pierre Attet, un célèbre comédien principalement connu pour avoir prêté sa voix au personnage de Doc Brown dans la saga Retour vers le futur. Dirigeons-nous vers l'école pour rencontrer le proviseur Eryl, doublé par le grand Philippe Pétieux, la voix française de nombreux personnages des Simpsons, dont Homer et son père. Steve, mon grand, comme c'est gentil de passer. Homer, approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Évidemment, dans l'école, c'est une fois de plus absolument n'importe quoi. Regardez simplement la scène de l'exercice de simulation d'évacuation des élèves. Oh mon Dieu ! Le colonel Monroe effectue encore une simulation d'attaque aérienne. Tout le monde dans le couloir, vite !
S'il y a une bombe atomique, à quoi ça peut servir de se casser quelque part? Oh Jésus, que c'était excitant! C'est fini, tout le monde en classe! Repasse nous voir quand tu veux, Steve. Voilà, c'était totalement gratos. Après ça, je suis allé voir le garde sans jambes qui protège la base de lancement de missiles de la ville d'Arvest, qui est d'ailleurs très susceptible et qui n'hésite pas à vous tirer dans la tête en vous insultant de communiste. Et puis, c'est ensuite l'heure pour Steve d'aller se coucher et de faire une série de cauchemars plutôt dérangeants. Mais dans Harvester, les journées de Steve sont tout aussi cauchemardesques que ses nuits. D'ailleurs, il est grand temps d'aller refaire un petit coucou à Stéphanie pour une scène... jugez vous-même. Il est possible que tout ce qui reste dans notre mémoire, c'est des sentiments profondément enfouis, des sentiments très forts. Peut-être que le corps a sa propre mémoire. Voyons si c'est vrai. J'ai envie de toi. Fais-moi l'amour. Alors prends-moi, maintenant. Voilà, par la suite vous rencontrerez une petite fille que le futur beau-père de Steve a vraisemblablement enterrée, parce qu'il est totalement cinglé. Vous croiserez ensuite les pompiers de la ville d'Arvest qui semblent passer leur temps à peindre des hommes nus. Vous aurez également droit à une conversation père-fils d'un nouveau genre dont je ne vais même pas essayer de vous parler ici tellement c'est malsain. Et s'agissant de l'intrigue du jeu, je vais m'arrêter là pour ne pas vous gâcher le scénario. Mais sachez que je ne vous ai vraiment rien montré de ce jeu qui est relativement long et très fourni en excellents dialogues, parfois effrayants, parfois hilarants, voire même les deux en même temps. Tout au long de son aventure, Steve va devoir faire toute une série de choix et commettre des actes plus ou moins immoraux pour parvenir à ses fins. Pour récupérer certains objets, vous allez devoir vous salir les mains. Mais pas comme dans la plupart des jeux. Comme vous vous en doutez sûrement, quand on a les mains sales sur Harvester, elles sont vraiment sales. Très très sales. Harvester propose donc un dilemme perpétuel aux joueurs, le poussant à surpasser ses limites pour découvrir ce que cache réellement l'ordre. Et ça va vous paraître fou, mais je trouve ce jeu véritablement excellent. Si on passe outre la surenchère constante de scènes choquantes, et le gore parfois un peu gratuit, le travail qui a été réalisé sur l'ambiance générale du jeu est tout bonnement impressionnant. Harvester nous immerge pleinement dans un univers surréaliste, qui réussit la prouesse d'être à la fois fin et grossier. Aux commandes de Steve, le joueur se retrouve tout aussi perdu que le personnage qu'il incarne. D'ailleurs, Harvester m'a toujours fait penser au génial Blue Velvet de David Lynch, notamment en ce que ces deux œuvres traitent de la découverte du mal par de jeunes protagonistes qui en ignoraient l'existence, ou du moins ne lui soupçonnaient pas une telle proximité avec son quotidien. Il est aussi possible de rapprocher Harvester de la série Twin Peaks, également de David Lynch. Que ce soit dans ce jeu ou bien dans cette série, on retrouve le concept de Lodge, un espace clos, hors du temps et hautement surréaliste que Steve, ou l'agent Cooper, vont être contraints d'explorer. J'ignore si les œuvres de David Lynch sont des inspirations assumées d'Harvester, car Gilbert Austin, le créateur de cette œuvre, a littéralement disparu après la sortie du jeu. Vraiment, il est impossible de trouver quoi que ce soit sur lui sur internet postérieurement à 1996, année de sortie d'Harvester. L'unique interview de Gilbert Austin se trouve justement dans la boîte du jeu, et est donc particulièrement difficile à trouver en ligne. En voici donc un extrait qui nous renseigne un peu plus sur les mystérieuses intentions de cette curiosité vidéoludique. Je voudrais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur,
la censure. Il va de soi que je serai le premier à interdire à mes enfants, quand j'en aurai, l'accès à tous les jeux violents, comprenant des scènes sanglantes ou choquantes. Mais il me paraît évident également que les adultes ne doivent pas être privés du plaisir de jouer à ces jeux, qui comprennent des avertissements très clairs afin d'être laissés hors de portée des enfants. De même qu'ils ont le droit d'aller voir un film interdit aux mineurs. Il est temps que la société évolue et réalise que dans un pays où règne la liberté d'expression et de création, l'éducation des enfants est l'affaire des parents, et non celle de l'industrie des loisirs. À la lecture de ces quelques lignes, il paraît désormais clair qu'Harvester se veut donc être une réflexion sur la violence dans les jeux vidéo et sur notre manière de l'appréhender. Via ses protagonistes, il nous est expliqué que la surexploitation de la violence nous amène à en être totalement désintéressés et de la regarder d'un air distant lorsque l'on y est confronté. Les jeux violents, et par extension la violence commise dans un jeu vidéo, n'est que du fait du joueur lui-même, et lui seul. Autant que les créateurs, le joueur doit prendre sa responsabilité et assumer sa curiosité macabre. D'ailleurs, le SRB, organisme américain de contrôle du contenu des œuvres vidéoludiques, chargé de fixer les limitations d'âge, voire même de censurer certaines scènes de jeux vidéo, a été créé en 1994, soit pile au moment de l'achèvement d'Harvester. Ce qui explique donc pourquoi ce jeu est aussi extrême. Mais il reste un élément carrément dérangeant qui plane depuis des années sur Harvester, et qui n'avait pas été prévu par son créateur, et dont les joueurs sont encore moins responsables. Kurt Kistler. L'acteur qui joue Steve a été arrêté en 2010 suite à une enquête de plusieurs années menée par le FBI qui enquêtait sur un trafic de vidéos pédopornographiques. D'ailleurs, petit détail macabre, on peut voir sur les mugshots de la police américaine qu'il portait exactement la même chemise que dans le jeu. Harvester est donc une œuvre à part dans le monde du jeu vidéo, une parenthèse de folie et de liberté magistralement bien calibrée pour offrir une expérience inédite aux joueurs. Cette œuvre, à mi-chemin entre Monkey Island et un film de David Cronenberg, est indéniablement l'expérience vidéoludique la plus étrange qui m'ait été donnée de voir. Malheureusement, j'ai été contraint de me censurer très massivement dans cette vidéo pour qu'elle puisse être conforme aux exigences de YouTube. Et une fois de plus, il y a beaucoup de choses étonnantes à voir dans ce jeu. D'ailleurs, je compte organiser une série de live Twitch pour explorer, avec vous, cette œuvre singulière. N'hésitez donc pas à vous abonner sur Twitch, et dès qu'on atteindra les 100 abonnés, je vous promets une série de lives sur Harvester, au cours de laquelle nous tenterons de terminer le jeu et d'obtenir les différentes cinématiques de fin totalement folles imaginées par Gilbert Austin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo à vos amis, ainsi qu'à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.